Pour finir notre cycle de lecture, à tout seigneur, tout honneur, Monsieur Roland Bertin. Pour un voyage, cette fois, dans le temps, comme un exercice de mémoire. La route de San Giovanni, d'Italo Calvino, est certes un parcours géographique, mais c'est surtout le chemin qui, peu à peu, éloigne l'auteur du monde de son père. Italo Calvino naît à Cuba en 1923, presque par hasard, puisque ses parents reviennent en Italie 2 ans après, à San Remo, en Ligurie, entre mer, campagne et montagne. C'est l'Italie mussolinienne que combattra le jeune Italo pendant la guerre en rejoignant les brigades Garibaldi. Il commence à étudier l'agronomie par décision paternelle, puis s'attelle à des études de lettres car il sent naître en lui une vocation littéraire. Il devient un des plus grands auteurs italiens de la période moderne. Écrivain réaliste, mais surtout fabuliste, plein d'humour, comme on le voit dans ses romans les plus célèbres, Le Vicomte Pourfendu, Le Baron Perché et Le Chevalier Inexistant. Roland Bertin évoque pour nous un moment particulier entre l'auteur et son père et décrit la faille qui s'ouvre entre ces deux êtres. La nature et les plantes qui constituent son père et le jeune adolescent qui ne rêve que de la ville. Somme toute, un voyage entre le passé et le futur. Le monde de Calvino est un mélange subtil et lyrique, composé de trous, de phrases sans début ni fin, tel le monde, telle la vie, telle la mémoire et le rêve. Avant de laisser la parole à Roland Bertin, écoutons son presque homonyme, Roland Barthes. Dans l'art de Calvino et dans ce qu'il écrit, il y a une sensibilité. On pourrait dire aussi une humanité, je dirais presque une bonté, si le mot n'était pas trop lourd à porter. C'est-à-dire qu'il y a à tout instant une ironie qui n'est jamais blessante, jamais agressive, une distance, un sourire, une sympathie. Alors, la route de San Giovanni. Si l'on veut donner une explication générale du monde et de l'histoire, on doit tout d'abord tenir compte de la manière dont notre maison était située. Dans cette région, autrefois appelée la Pointe de France, à mi-côte, sur la colline de San Pietro, comme une frontière entre deux continents. En bas, dès qu'on avait dépassé notre grille et franchi la voie privée, commençait la ville, avec ses trottoirs, ses vitrines, ses affiches de cinéma, ses kiosques et Piazza Colombo. Juste là, à quelque part, et le bord de la mer, vers le haut. Il suffisait de sortir par la porte de la cuisine, en direction du ruisseau qui passait en amont, derrière la maison, et on était tout de suite à la campagne, le long des sentiers muletiers de Caiuti, entre les murs des pierres, les pieds de vigne et la verdure. C'était toujours par là que sortait mon père, habillé en chasseur, avec ses jambières, et on entendait le pas de ses chaussures cloutées le long du ruisseau, le bruit de la clochette en cuivre du chien et le grincement de la petite grille donnant sur la route de San Pietro. Pour mon père, le monde commençait à partir de là, vers les hauteurs. Et l'autre partie du monde, celle d'en bas, n'était qu'un appendice, parfois nécessaire s'il fallait faire des courses
mais insignifiant et étranger. On devait la traverser à grandes enjambées, comme en fuyant, sans regarder aux alentours. Pour moi, il n'en était pas de même. Au contraire, pour moi, le monde, la carte de la planète, allait de chez nous vers le bas. Le reste n'était qu'un espace blanc, sans signification. Les signes de l'avenir, j'espérais les déchiffrer en bas, à travers ces rues, ces lumières nocturnes, qui n'étaient pas simplement les rues et les lumières de notre petite ville un peu à l'écart, mais la ville. Une ouverture sur toutes les villes possibles, comme son port représentait déjà les ports de tous les continents. Et il suffisait que je me penche au-dessus des balustrades de notre jardin pour penser que chaque chose qui m'attirait et me troublait était à portée de la main, et pourtant très lointaine. Chaque chose était implicite, comme la noix dans son broc, le futur et le présent, et le port, toujours en se penchant au-dessus de ces balustrades, et je ne sais plus très bien si je suis en train de parler d'une époque où je ne sortais jamais du jardin, ou bien d'une autre. Quand je m'échappais et que j'étais constamment en balade. Parce qu'à présent, ces deux époques se sont fendues en une seule. Et cette époque-là ne se distingue pas des lieux qui ne sont plus des lieux, ni rien d'autre. Le port, on ne le voyait pas. Caché par les rebords des toits des hautes maisons de la Piazza Sardi et de la Piazza Brescia. Seul affleurait la bande du môle et les pointes des mâtures des bateaux. Et les rues aussi étaient cachées. Je ne parvenais jamais à faire coïncider leur topographie avec celle des toits, tant les proportions et les perspectives m'apparaissaient méconnaissables vues de là-haut. Des appels de mère, des chants de jeunes filles, ou d'ivrogne, suivant les heures et les jours, se détachait clairement de ces pentes supra-urbaines et descendait sur notre jardin en traversant un ciel de silence. Tandis que, enfermée dans les écailles rouges des toits, la ville faisait résonner confusément ses ferraillements de tramways et des marteaux, la trompette solitaire dans la cour de la caserne, le ronflement de la Syrie, et à Noël, la musique des manèges sur le bord de mer, chaque son, chaque silhouette renvoyée à d'autres, plus devinée qu'entendue ou vue continuellement. La route de mon père aussi menait loin. Du monde, il ne voyait que les plantes, et ce qui avait un rapport avec les plantes. Et pour chaque plante, il prononçait à haute voix son nom, dans le latin absurde des botanistes, et son lieu d'origine. Toute sa vie, sa passion avait été de connaître et d'acclimater les plantes exotiques et son nom vulgaire, s'il y en avait un, en espagnol, ou en anglais, ou dans notre dialecte. Dans sa manière de nommer les plantes, il faisait passer toute la passion mise à absorber un univers sans fin, à avancer chaque fois jusqu'aux frontières extrêmes d'une généalogie végétale, et à s'ouvrir à partir de chaque branche ou feuille ou nervure, comme la voie d'un fleuve dans la lymphe, dans le réseau qui recouvre la terre verte. Mais au-delà des pièces cultivées, un petit cri, un battement d'aile, un remuement dans l'herbe suffisait pour qu'il lève brusquement les yeux, fixe et rond, et sa barbiche en pointe, et reste l'oreille tendue. Il avait un visage immobile, de hibou, qui sursautait parfois comme chez un rapace, aigle ou condor. Déjà,
ce n'était plus l'homme des champs, mais l'homme des bois. Chasseur, car c'était là sa passion. La première, oui, oui, la première, c'est-à-dire la dernière. La forme extrême de son unique passion. Connaître, cultiver, chasser, s'enfoncer par tous les moyens à l'intérieur, au fond de cette forêt sauvage, dans cet univers en face duquel l'homme était homme. Chasser, être à l'affût par les nuits froides, avant l'aube, sur les croupes arides de Colabella ou Colardante, en attendant la grive, le lièvre, ou pénétrer dans le bois, le battre en tous sens, avec son chien flairant la terre à tous les endroits de passage des animaux, n'importe quel gibier, n'importe quelle piste convenait, pourvu qu'il fasse des kilomètres à pied hors des routes, en battant la montagne, une vallée après l'autre, pendant des jours et des nuits, seul, avec son chien et son fusil, jusqu'au Piémont, jusqu'en France, sans jamais sortir de la forêt, se croyant un chemin, ce chemin secret que lui seul connaissait et qui passait à travers toutes les forêts, qui unissait chaque forêt à une forêt unique, chaque forêt du monde à une forêt au-delà de toutes les forêts du monde, et chaque lieu du monde un lieu au-delà de tous les lieux. On comprend combien nos routes, celles de mon père et la mienne, divergent. Mais quelle était la route que je cherchais, moi aussi, sinon la même que celle de mon père? Qu'est-ce que je cherchais du regard sous les porches, mal éclairés dans la nuit, parfois l'ombre d'une femme, et disparaissait, sinon la porte entrouverte, l'écran de cinéma à traverser, la page à tourner qui introduit dans un monde où toutes les figures et les mots pouvaient devenir vrais, présents, mon expérience personnelle, et non plus l'écho d'un écho d'un écho. Et il nous était difficile de nous parler, tous deux de nature prolixe, prisonniers d'un océan de mots, ensemble, nous demeurions muets. Nous marchions côte à côte, en silence, le long de la route de San Giovanni. Pour mon père, les mots devaient servir à confirmer les choses et à marquer la possession. Pour moi, ils étaient les prévisions des choses à peine aperçues, non possédées, présumées. Le vocabulaire de mon père se dilatait dans le catalogue interminable des genres, des espèces, des variétés du règne végétal et dans la terminologie technique où l'exactitude des mots accompagne l'effort d'exactitude de l'opération, du geste. Et toute cette nomenclature babélique se noie sur un fond idiomatique tout aussi babélique auquel contribuaient des langues différentes, mêlées en fonction des besoins et des souvenirs. Il en sortait un discours tout entier, tissé d'expressions favorites qui revenaient ponctuellement en réponse à des situations déterminées, exorcisant les mouvements de l'âme comme un catalogue, lui aussi parallèle à celui de la nomenclature agricole et à cet autre fait, non de mots, mais de sifflements, d'appos, de trilles, de chants de grive ou de grand-duc, produits par son habileté à imiter le cri des oiseaux, soit par un simple mouvement des lèvres, soit en s'aidant des mains placées de façon adéquate autour de la bouche, soit par le biais de sifflets et de petits mécanismes avant ou à ressort dont il portait tout un assortiment dans le veste, dans sa veste de chasse. Quant à moi,
Je ne reconnaissais ni une plante, ni un oiseau. Les choses, pour moi, étaient muettes. Les mots s'écoulaient continuellement dans ma tête. Elles n'étaient pas accrochées à des objets, mais à des émotions, des fantaisies, des présages. Il suffisait d'un lambeau de journal par terre sur lequel on avait marché et qui m'arrivait entre les pieds, et j'en buvais avec une grande concentration le texte tel qu'il en sortait, mutilé et inavouable. Nom de théâtre, actrice, vanité. Et mon esprit était déjà parti au galop. L'enchaînement des images ne s'arrêterait plus pendant des heures et des heures, tandis que je continuais à suivre en silence mon père, qui indiquait certaines feuilles derrière un mur. Nous devions accompagner notre père à San Giovanni, chacun à son tour, le matin, tantôt moi, tantôt mon frère, pas en période de classe, parce que notre mère interdisait alors qu'on nous distrait. Mais pendant les mois de vacances, justement, quand nous aurions pu faire la grasse matinée et l'aider à porter à la maison les paniers de fruits et de légumes. Je parle de l'époque où nous étions déjà plus âgés, de jeunes garçons, et que notre père était désormais vieux. Mais l'âge de notre père semblait toujours le même, entre 60 et 70 ans, une vieillesse acharnée et infatigable. Été comme hiver, il se levait à 5 heures, s'habillait bruyamment avec ses vêtements de campagne, lassait ses jambières. Ses habits étaient toujours épais, par n'importe quelle saison. Il portait un gilet et un veston, surtout parce qu'il avait besoin d'un grand nombre de poches où mettre les divers ciseaux pour élaguer, couteaux pour les greffes et pelotes de ficelle ou de raffia qu'il avait toujours sur lui. L'été seulement, à la place de sa veste de chasse en futaine et de la casquette à visière avec passe-montagne, il mettait une tenue en toile jaune délavée de son époque mexicaine. Il y a un casque colonial de chasseur de lion. Il entrait dans notre chambre pour nous réveiller avec de brusques appels et en nous secouant par un bras, puis il descendait l'escalier avec ses chaussures cloutées sur les marges de marbre, faisait le tour de la maison déserte. Notre mère se levait à 6 heures, puis notre grand-mère et en dernier lieu la femme de chambre et la cuisinière. Il ouvrait les fenêtres de la cuisine, faisait chauffer son café au lait et la soupe pour le chien, préparait les paniers qu'il fallait amener à San Giovanni, vides ou avec à l'intérieur des sacs de graines, d'insecticides ou d'engrais. Les bruits nous parvenaient étouffés dans notre demi-conscience, car après le réveil de notre père, nous nous étions replongés d'un coup dans le sommeil. Lui ouvrait la porte donnant sur le ruisseau, il était en route, tout sautant et crachant été comme hiver. Nous avions réussi à arracher un sursis tacite à notre devoir matinal. Au lieu de l'accompagner, nous finissions par rejoindre notre père à San Giovanni une demi-heure ou une heure plus tard, si bien que ses pas qui s'éloignaient vers la montagne de San Pietro était le signe qu'il nous restait encore un lambeau de sommeil auquel nous agripper. Mais aussitôt notre mère venait nous réveiller une seconde fois. « Allez, allez, il est tard, papa, elle est déjà partie depuis longtemps. » Et elle ouvrait les fenêtres sur les palmiers que le vent du matin agitait. Elle tirait nos couvertures. « Allez, allez, papa, vous attend pour porter les paniers. » Non, c'était pas la voix de ma mère qui revient dans ces pages qui résonnent de la bruyante et lointaine présence paternelle, mais sa domination silencieuse,
Son image se montre entre ses lignes, puis elle se retire aussitôt, demeure dans la marge. Voilà qu'elle est passée dans notre chambre. Nous n'avons pas entendu sortir, sortir, et le sommeil est fini pour toujours. Je dois vite me lever, monter jusqu'à San Giovanni, avant que mon père chargé n'ait pris le chemin du retour. Il revenait toujours chargé. C'était pour lui un d'honneur de ne jamais faire le voyage les mains vides. Et comme la route carrossable ne passait pas par San Giovanni, il n'y avait d'autre façon d'amener les produits de la campagne chez nous qu'à la force des bras. Ce qui poussait mon père chaque matin à gravir la route et moi à descendre vers mon chemin, plus qu'un devoir de propriétaire laborieux, plus que le désintéressement d'un innovateur en méthodes agricoles, et pour moi, plus que les définitions des devoirs que j'allais m'imposer au fur et à mesure, c'était une passion féroce, une douleur de l'existence, une confrontation désespérée avec ce qui reste hors de nous. Mon père n'épargnait jamais ses forces, mais uniquement son temps. Il n'évitait pas la montée la plus raide, si c'était la plus courte. On pouvait parvenir à San Giovanni à partir de chez nous de plusieurs façons, selon les bouts de chemin muletiers, les raccourcis et les ponts qu'on choisissait. Le parcours suivi par mon père était à n'en pas douter le fruit d'une expérience prolongée d'amélioration et de rectification successive, mais c'était devenu désormais comme l'escalier de la maison. Une suite de pas à accomplir, les yeux fermés, qui n'occupaient l'esprit qu'une fraction de seconde, comme si l'impatience abolissait l'espace et la fatigue. Il lui suffisait de penser « Je vais aller à San Giovanni » et il se sentait déjà transporté là-bas, déjà la semence aux villageois et aux journaliers qui bouillonnaient à l'intérieur de lui, éclatait hors de sa poitrine en une avalanche d'injures, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, où l'obscénité avait perdu toute chaleur complice, devenant aussi austère et carré qu'un mur de pierre. Cette impatience, ce sentiment intolérable de se trouver ailleurs que sur cette terre, le prenait parfois même au milieu de la journée, quand il était déjà descendu de son inspection matinale à San Giovanni et qu'il s'était changé en mettant ses habits de ville, de col cassé, le gilet avec la chaîne en argent, sur la tête le fez rouge acheté en Tripolitaine et qu'il gardait à la maison et dans son bureau pour abriter sa tête chauve. Et soudain, pendant qu'il vaquait à d'autres affaires, il lui venait à l'esprit, car la pensée qu'il occupait était toujours celle-là, un travail à faire à San Giovanni qui n'avait pas été achevé ou qui n'avait pas été exécuté comme il fallait, ou un ouvrier qui restait peut-être inoccupé par suite d'une absence de consigne. Et voilà que nous le voyons se lever de son bureau, monter dans sa chambre, descendre entièrement bardé, du casque aux chambières, détacher le chien et prendre la porte du ruisseau, parfois à l'heure la plus chaude d'un après-midi d'été, le regard fixé devant lui en plein soleil. Et moi, ah, je pensais à autre chose. Qu'était-ce la nature? Herbes, plantes, lieux verts, animaux. Je vivais au milieu de tout cela et je voulais me trouver ailleurs. Face à la nature, je restais indifférent, réservé, parfois hostile. Et je ne sais pas que moi aussi j'étais en train de chercher un rapport, peut-être de plus heureux que celui de mon père, un rapport qui m'aurait été donné par la littérature, qui rendrait une signification à tout, et d'un coup chaque chose deviendrait vraie, tangible, prête à être possédée et parfaite. Chaque chose
de ce monde désormais perdu. Où mon père crée-t-il d'amener le tuyau et de faire couler l'eau, car tout est sec? D'une pièce arrive le son de la pioche du vieux Schiaguato qui s'abat sans fin sur le sol. Quelque chose bouge dans ces arbres. La fille de Moumine y a grimpé pour remplir un panier de cerises. J'accours avec le tuyau enroulé sur l'épaule, mais je ne voyais pas mon père au milieu des rangées et je me trompe de pièce. Je dois apporter le crochet pour faire pencher les branches du cerisier, la machine à sulfater, le ruban adhésif pour les greffes. Mais je ne connais pas ma terre. Je m'y perds. À présent, oui, du haut de mes années, je vois chaque pièce, chaque sentier. Je pourrais maintenant indiquer le chemin à moi qui suis en train de courir entre les rangées. Mais il est tard. Désormais, tout le monde est parti. Je voudrais que les paniers soient prêts tout de suite pour revenir à la maison et aller à la mer. La mer est là, dans une fente triangulaire de la vallée, en forme de V, mais c'est comme s'il était loin, à des milles et des milles. La mer, étrangère à mon père et à tous les gens qui s'avancent sur nos routes matinales. À présent, nous rentrons. Je marche, courbé sous ma hotte. Le soleil est en haut. Suivons la route carrossable, la plus proche, sur la colline de San Giacomo, un camion brombi. Ici, dans la vallée, le gris des oliviers et le bruissement du torrent estompent les couleurs et les sons. Sur l'autre versant de la terre monte une fumée. Quelqu'un a allumé un écobuage. Mon père dit quelque chose sur la floraison des oliviers. Je n'écoute pas. Je regarde la mer et je pense que dans une heure, je serai sur la plage. Sur la plage, les filles lancent des ballons avec leurs bras lisses. Elles plongent dans le miroitement de l'eau. Elles crient, s'éclaboussent sur tant d'étendes de périssoires et de pédalos. Voilà. Merci. Voilà.